Le Centre de services scolaires Marie-Victorin est l'un des plus importants au Québec. Notre territoire couvre les villes de Brossard, Saint-Lambert et Longueuil, incluant les arrondissements de Greenfield Park, Saint-Hubert et bien sûr le Vieux-Longueuil. Chaque année, nous scolarisons environ 45 000 élèves, dont près de 60 % sont issus de l'immigration et plus de 36 % n'ont pas le français comme langue maternelle. Nous comptons 74 établissements et plus de 5 000 employés. Nous vous présentons le PEVR. C'est quoi le PEVR? C'est un outil de planification qui permet de faire connaître à toute la population les engagements du centre de service scolaire. Dans le but d'assurer la réussite éducative de tous les élèves, jeunes et adultes. Comment on fait ça? Cette démarche a été pilotée par les 18 membres du comité d'engagement pour la réussite. Le PEVR est donc le fruit d'un grand processus de consultation qui a été mené auprès de toute la communauté éducative. Employés, direction d'établissement, parents, partenaires, élèves. Guidés par des modèles inspirants, nos élèves, jeunes et adultes, s'engagent dans le développement de leur plein potentiel dans un environnement accueillant, stimulant et inclusif. Nos prises de décision et nos actions se basent sur des valeurs qui nous sont chères, comme l'engagement. Je m'investis à fond dans mes études et je m'implique dans le conseil étudiant. L'innovation. On sort des sentiers battus pour être capable de recruter les meilleurs talents. Et on utilise du matériel de pointe pour faciliter les apprentissages. Le courage. On fonce malgré nos difficultés, on nomme nos inconforts. La collaboration. C'est en travaillant ensemble qu'on arrive à des solutions et des stratégies adaptées à nos élèves. Et la cohérence. Être cohérent, c'est mettre en place les pratiques qui sont reconnues par la recherche. OK, mais comment on fait ça? On fixe des objectifs et des cibles à atteindre. D'abord et avant tout, nous voulons nous assurer du bien-être physique, affectif et social des élèves. Le bien-être de tous nos élèves est très important. On travaille fort également pour fournir un environnement inclusif dans lequel les élèves peuvent s'épanouir. Ouais, ça c'est important! Et j'imagine que ça s'arrête que là. On veut aussi offrir à tous nos élèves des services éducatifs de qualité. Pour y arriver, il faut assurer la mise en œuvre de pratiques éducatives et administratives efficientes. Moi, j'aime ça quand Mme France me donne des commentaires qui me sont utiles et qui m'indiquent ce que je pourrais faire pour m'améliorer. Nous voulons accroître la réussite éducative des élèves en considérant leurs différences et leurs besoins. Le scénario, c'est d'augmenter le taux de réussite en français et en mathématiques. Action. L'élève est au cœur de nos actions. On croit que si on met en place des mesures pour assurer son bien-être et qu'on met en place des pratiques éducatives efficaces, on sera en mesure de favoriser sa réussite et sa diplomation. Inspirer l'engagement. Cultiver l'accomplissement.